Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonsi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vu s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux amis, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité Moko. To babeti lisa si congolais Morakoufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis la chambre, les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décri Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Sont mises sur la table, nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence ces émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décri Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Pero Luwara, je suis journaliste, présentateur des émissions, mais aussi initiateur de cette chaîne. Je suis donc en train de suivre une situation ici par rapport à l'émission. Je suis dans l'obligation de temps en temps d'avoir des documents. Vous savez comment ça se passe. Alors, je viens ici, donc dans le cadre de cette émission, Décri Info. Je prends des questions très, excusez-moi, très très importante qui retient l'actualité dans plusieurs domaines. Je les mets sur la table et je tente de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder. Quand on commence à ces émissions, j'ai dit que Makamuna Lubawa et Zalinango, parole d'évangélité. J'ai toujours l'habitude de dire que Onazako Lubawa et Zali, le lenge nanga komona makambo, le lenge nanga ko kanisa, pe le lenge nanga ko banza makambo. Et Zangaï Pero Luwara, je viens, je prends des questions importantes et d'actualité, je les dépose sur la table, je commence à ergoter autour de ça en disant, écoutez, il y a ça, 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 mais moi, je pense que ce qui tokindaki nango boye, ce qui tozoraki nango boye, ça aurait pu être comme ça, et je le dis toujours avant de commencer les émissions, parce que je n'aime pas que les gens se rentrent dedans, que les gens sortent leurs épées, chacun à ce qui les concerne, pour venir ko luka ko créer ba problème na makambo o itali ba point de vue. Oui, madame, nous sommes vendredi aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter à vous toutes et à vous tous très 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 bon week-end. C'est un début de week-end. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai l'habitude de faire des émissions le week-end, je vous dis toujours, le week-end c'est bon, vous pouvez décompresser si vous le voulez. Vous pouvez avoir le temps de faire un tour, de prendre un verre, mais je vous appelle toujours à faire tout ceci, mais de manière responsable. Pour moi, les sorties responsables, c'est celles où vous prenez la responsabilité de ne pas vous mettre en danger vous-même. Un verre de trop, ne prenez pas le volant, ne faites pas de bêtises parce qu'on a besoin de vous. Ne portez pas atteinte à autrui parce que vous, vous avez été inconscient et irresponsable de par votre manière de prendre un verre de trop. On a besoin de vous, on vous aime, nous existons parce que vous êtes là et nous faisons ce travail justement parce que vous êtes là. Sambino Tokozalate, donc Tolingi Bino Mingi, Tolingi Bozala en très bonne santé, Tolingi Bo se mettre en danger. Une fois de plus, la Lingina souhaité à Binonio Soto Bozuli Bakumala Mouna, pourquoi l'aller l'autre, on a Tongo, l'aller l'autre, on a Midi, l'aller l'autre, Kolanda Bisso, la Lingina souhaité à Binonio Soto Boyei Malamo. Allez, deux, trois petites choses avant de commencer cette émission. Ce que vous avez habitué, Boyebi, de quoi je vais parler. La première des choses, c'est de vous demander vraiment la main sur le cœur de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. C'est très très important. Non, la première des choses, c'est de vous demander de vous abonner. C'est de vous demander de vous abonner. Nous sommes toujours à 114 000 abonnés. Et ça ébellé. Mais je pense vraiment que Cépel, Cépeloises et Cépelois, nous sommes une grande famille. Nous pouvons aller au-delà des 114 000 abonnés. C'est comme ça que je me permets chaque soir de vous dire, s'il vous plaît, abonnez-vous. S'il n'est pas encore abonné sur notre chaîne, faites-nous plaisir, faites-nous la campagne, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Nous, ça nous fera énormément plaisir et ça nous fera énormément de bien. Nous sommes aussi présents dans d'autres plateformes des réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, c'est Pero Luwara officiel. Là, vous êtes en plein dedans dans ma page. Ou alors sur X, c'est Pero Luwara 1. Allez aussi nous retrouver sur TikTok, c'est Pero Soutré Luwara. Vous pouvez aussi me retrouver là-bas. La deuxième des choses, c'est de vous demander la main sur le cœur de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Liker la vidéo, c'est tellement important parce que ça nous met à l'abri des actions de malfaisance. En tout cas, likez la vidéo que vous regardez, ça nous permet justement de nous protéger, ça nous permet justement d'être à l'abri. Likez et partagez. La troisième des choses, je vous demande la main sur le cœur. N'hésitez pas à appeler notre amie Judith Londolé-Betoko, Betokos, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith est notre partenaire très 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 privilégié, notre partenaire des dedans. Judith est patronne d'une boutique qui s'appelle la Londoloise. Elle est spécialisée dans l'habillement homme. Elle habille les hommes. Vous avez besoin d'une veste, vous avez besoin d'une chemise, vous avez besoin d'un t-shirt, vous avez besoin d'un polo, d'une chemise. Tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à appeler donc Judith Londolé-Betoko. Regardez par exemple les vestes que vous voyez là qui sont en stock chez notre amie Judith Londolé. Regardez là-bas. Judith Et donc, patronne de cette boutique-là, vous pouvez l'appeler toutes les vestes que vous regardez. Regardez la qualité, les couleurs, les tissus, le design. Vous avez une fête des mariages, vous avez une fête, quelle que soit la nature de la cérémonie. N'hésitez pas à appeler Judith Londolé-Betoko, elle se fera le réel plaisir de vous livrer vos commandes et vos colis partout où vous êtes à travers le monde. Judith est joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. Allez, retour sur ces plateaux. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par l'audition de Jaynet Kabila, la sœur jumelle de M. Joseph Kabila. Jaynet donc a été convoquée aujourd'hui. Il a été entendu. Il vous souviendra que lors de ma dernière émission ici, j'en ai parlé. Je vous avais dit que la fondation Laurent-Désiré Kabila avait été assiégée. Et ceux qui ont l'habitude de me lire, notamment sur Facebook, déjà à partir d'hier, j'alertais, j'ai signalé que Jaynet Kabila sera convoquée. Et je vous disais que le plan était bouclé pour qu'on le cloue là-bas. Et j'ai donné un certain nombre de détails en vous disant que il y a les ambassades, les chancelleries et les présidents africains qui appellent Helmut Ngeleka. Jaynet Kabila, s'il s'en sortait aujourd'hui, ça sera seulement du fait que la pression aura pouvait permettre à ce qu'elle sorte. Jaynet a été entendue aujourd'hui, elle est sortie. Dans cette émission, je vous donne donc les coulisses et les détails de ce qui a été son audition. On parlera de ça et je vous dirai l'objectif. Qu'est-ce que l'on poursuit par cette unième provocation, cet acharnement entre guillemets sur la famille de Joseph Kabila? Je donnerai les informations là-dessus. Je reviendrai sur d'autres questions aussi importantes d'actualité politique en République démocratique du Congo. Mais laissez-moi, avant de commencer l'émission, m'étonner du comportement de notre Kadhafi national, Augustin Kabuya. Lors de ma dernière émission ici, je me suis moqué de Baluba. Je veux encore ici le répéter en disant que Baluba, je suis heureux que vous commencez déjà à broyer du noir alors que votre propre frère est au pouvoir. Je suis heureux que le Baluba commence chaque jour à se rendre compte que Félix Tshisekedi est notre problème majeur. Que nous ne pouvons nullement, alors nullement, accepter, si nous aimons notre pays, au nom de nos acquaintances tribalo-ethniques, de sacrifier le Congo au profit d'un jouisseur, d'un incompétent comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce que je vous dis toujours ici. Les Baluba commencent de plus en plus à se rendre compte que ce monsieur peut rester au pouvoir pendant 50 ans. Il ne fera rien pour le Kasaï, autant qu'il ne fera rien pour la République. Moi, je suis heureux. Kasaï de père et de mère. Félix est un grand frère. C'est un oncle. Mais nous ne pouvons pas sacrifier l'avenir de tout un peuple, l'avenir de toute une nation au nom de nos appartenances tribalo-ethniques. Félix est un problème. Félix est un cancer. Félix doit être considéré à l'heure où je vous parle comme notre ennemi public numéro 1. Il n'a pas les ressources pour faire avancer le pays. Je ne m'arrêterai pas de le dire. Baluba Machima Pata. Vous n'entendiez pas. Mais je suis heureux qu'aujourd'hui, vous avez vu le tollé, l'indignation que la communauté kassaïenne a exprimée après la sortie d'Augustin Kabuya. Kabuya a dit que les Kasaïens étaient des sorciers. Bazabandoki. Kabuya a interdit aux Kasaïens de pouvoir entrer dans les dossiers de Katanga. Et je vous ai donné des éléments ici. Kabuya peut cracher sur ses frères Baluba, non pas au nom de la compétence de Kiabula. Parce que Kiabula, c'est un incompétent, c'est connu. Kiabula a détérioré la qualité de la vie au Haut-Katanga. Les Haut-Katangais n'espèrent qu'une chose, c'est le départ de Kiabula. Mais là où Kiabula a réussi, Kiabula a compris que le régime qu'il emploie est un régime de farceurs. C'est un régime de frappeurs. Et que la meilleure manière de pouvoir s'attirer les grâces de ce régime, ce n'est pas de par le travail et les compétences. Il faut avoir la capacité de leur donner des pots de vin. En tête des listes, Ngeleka, sa femme, Augustin Kabuya, Peter Kazadi, voilà des gens qui reçoivent de l'argent de Kiabula et de Fifi Masuka. Et au nom de la corruption, au nom de l'intérêt personnel et individuel, au nom de la corruption, Kabuya est aujourd'hui capable de sacrifier l'avenir de toute une province, les Haut-Katanga, au point aussi de s'attaquer à ses propres frères, les Baluba, pour maintenir Kiabula. En réalité, il ne maintient pas Kaboula pour des raisons de compétences, mais pour des raisons d'argent. Je l'ai dit ici. D'ailleurs, quand vous regardez ce qu'il a dit dans les fonds, on se rend compte que c'est un homme qui n'a pas franchi les seuils des bonnes études. Quelqu'un qui est peut-être un peuple, parle d'un peuple migratoire, il dit que c'est... J'ai posé la question ici, pouvons-nous parler d'une immigration pour un peuple qui quitte un endroit dans son pays vers un autre dans son pays? C'est Kabuya qui doit vous le dire. Mais face au tollé soulevé, j'ai vu cet aventurier d'Augustin Kabuya revenir sur ses propos et tenter de donner une autre version de ses justifiés. Les amis, la République est entre les mains des aventuriers, des frappeurs. Des gens qui ne comprennent pas qu'en tant qu'homme d'État, on doit peser, on doit regarder à la loupe tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait. On ne devient pas autorité d'un pays du jour au lendemain. Lorsqu'on assume des fonctions étatiques, lorsqu'on a des responsabilités dans un pays, Kabuya, ce n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, Kabuya, c'est l'informateur. Kabuya, c'est le secrétaire général du parti présidentiel. Il ne doit pas parler comme un petit voyou. Ces gens, le malheur, c'est qu'ils nous ont fait croire qu'ils étaient dans l'opposition. Mais ils n'étaient pas dans l'opposition, ils étaient dans l'école missionnaire, en train de prendre le toko sous les manguiers de la 10e rue. En train de vandaliser. Nous, on croyait que c'était de l'opposition. En réalité, c'était des petits voyous qui n'ont pas eu le temps de s'informer, qui n'ont pas eu le temps de se former, qui n'ont pas eu le temps d'étudier. Et par miracle, ils se sont retrouvés au sommet de la République. Ils nous montrent suffisamment leur incompétence et leur insuffisance. J'ai vu Kabuya revenir sur ses propos. Suivez cet extrait. On va se retrouver après pour continuer l'émission. Tolanda Kabuya. Et si comme on montait, la finga qui bat Kasaïen Bando, Naloba qui boye, pour Nayebi Koloba, Nayebi Koloba, Naloba qui boye. Pour Nanini, ceux qui conflit entre bas frères Nabiso et Katang, Bangomoko, Bakatangue, des pères et des mères. Pour Nanini, Bazuakataka Bandekonanga ya Kasaï, Bako tsabango na conflit na bango. Basoko tsabango na intérêt ni na bakisa kiboyi. Bino bande bonangai. Bolonga ke pa na biso boke ko sala misala. Ba mususu babanda ki koloba bakini biso. O toza bandoki. Na mibeni ngai ngo bokini ngai. Mit na lobaki bawana kuna teke basa bango. Ba dena pire ya ngomba la moko, bana tisinga ya ngomba moko. Zambe Ali Bisabina. Et si comme on montait, la finga qui bat Kasaïen Bando, Naloba qui boye, pour Nayebi Koloba. Nayebi Koloba, Naloba qui boye. Pour Nanini, Kabuya tente de donner des explications. J'ai entendu Kabuya, j'ai rigolé comme pas possible. Kabuya ne sait pas qu'aujourd'hui les paroles ne s'envolent plus. Cette histoire de dire les écrits restent et les paroles s'envolent, nous sommes en plein 21e siècle. Nous sommes à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Kabuya dit qu'il n'a pas dit que les Kasaïens Bazabandouki. Attends. Var. Kabuya. Var. Bolanda Kabuya, ce qu'il avait dit. Continuer mission tant aux zonga. Zonga c'est la Kabuya na toyokai. On suit Kabuya. Nazana conseil ya kopesa bande konanga ya Kasaï. Bande konanga ya Kasaï oyo ba presenta biso na miso ya bakatange ke toza bandoki nde bakima province na biso bakenda na Katanga. Bokende ki musala, vous n'êtes pas les autochtones. Botika bakatange basala makambo na bango. Natali na ba video nyonso wana. Tous les émigrés kassaïens Bazako tumba pine, onu le katange. Tango bakatange bakota kabarenyo na bango, babengi sakabino. Tozako lobela nini? Boza ba video nyonso bomonaki ba déclaration. Oh biso ba peuple katange, oh toboyi makamwana etali yote. Ngana boti bana na ngana Kinshasa ao. Jamais bakokene kokota na conflit abateke na baombo. Bino bokendeki musala soki na Jekamine, soki na SNCC, botika bakatange basala musala na bango. Toyokani? Eloko nini elekaki jour wana? Tous les députés oyo ya IDPS na ba mosaïque na bengisaki bango awo. Il faut koyebisa bino ba vérité wana. Po bato basako zombongo ya bato na koyebisa bango na poko oke, bozongisa mbongo ya bato. Bazongi sambongo ya bato. Bozako la nangai. Tango IDPS viva. Tango nabengi si bango baye. Bola nangai malamu. C'est très important. C'est très important. Il faut boyeba makambuana. Natigela ki bangota bakosa. Mais naïfse ki bango ke s'il faut qu'au terme Sanani Misala ou Nazo Sala n'a convoqué matinée, je vais le faire. Pour rétablir la vérité. Nabengi bango na réunion na esika na zana biro kuna kote ya Shaumba. Tango baye na tuni bango boye na pete nyonso. Na lobi banani bazana ambition. Nani alingaza la candidat gouverneur. Atombo la Moussapi. Bangonyo c'est na salle, 3 personnes de Batombola qui misapi na bango. Et pour votre rappel, Kiabula parti na Ewana et Zalakayete, et dans Mosaïque Nabiso, je le dis devant tous les combattants. Vous avez la nangai? Et puis Nazako et Sabino que Mosaïque Wana, Batiasep ne basalele yango. Ce sont des stratégies électorales. Nazako répété yango ke Kiabula mosaïko azako gérer et zabato asep ne bat basale la yango. Professeur Tshilombo ne mutu asale la yango. Nazako tangi na bino de lokombo. Lokola ba inconscient mususu babande ko msabato oh Kabuya sali parti. Oh Kabuya sali boy. Non. To sala ki ba mosaïque na biso ebele. Même au Kabula Zanango et Zabiso. Tokani Bako Zabinote, Nazako Lobango na tema ina monokote. Eza mosaïque ya IDPS. Tokani Nakokiko Lobama Kamunyo so alobakite avant basalele mosaïque wana. Professeur Tshilumbai azali akufite. Jacqueline Chaban azali akufite. Bangone batu basalele mosaïque wana. Baye kopesa ngai ngai na pesiye comme mokonzi ya parti abo batu wana tango bakoti na sali balobi na tuni bango banani baza na ambition. Il est là de suivre Augustin Kabuya. Kabuya est formel. Kabuya est explicite par rapport à ce qu'il dit. Kabuya dit bande konanga bakasaye bo kimi kindoki bo tiki kindoki pa na biso na Kasai. Kabuya, j'insiste ici, le problème, à l'image de la personne qui t'emploie Augustin Kabuya, vous êtes vous tous des médiocres. Le problème du pays, c'est ça. La République, la gestion du pays est entre les mains d'une médiocrité hors pair. Des gens qui ne comprennent pas qu'au sommet de l'État, on ne vient pas en stagiaire, on ne vient pas faire des bêtises. Des gens qui ne comprennent pas que quand on assume certaines fonctions, on pèse les choses qu'on raconte devant les gens. Ces gens étaient bien à boire à Bruxelles là-bas. Ces gens étaient bien à faire des des paysages, comment vous appelez ces histoires-là? Ils étaient... Kabila au local, ils ont un problème. Ces gens étaient bien là-bas, ces frappeurs. Vous voyez un monsieur, son père était l'ancien premier ministre, son père était l'ancien PDG, son père était l'ancien ministre, son père a incarné le leadership dans l'opposition pendant plusieurs années. Mwana mobali ya mutu ya ndenge wana, akei poto aza incapable ya kobimisa diplôme d'état. Ceux qui connaissent son père vous diront que son père ne croyait pas en lui. Je cite toujours les gens, les Valentin Moubaki sont vivants, les Albert Moleka sont vivants, les Franck Diongo ici sont vivants. Allez poser la question à ces gens-là qui fréquentaient Tshisekedi, le père, l'image, la vision qu'Etienne Tshisekedi avait de son fils. Et par un jeu de cache-cache, nous avons eu la malheur d'avoir ces membres influents de la pègre bruxelloise au sommet du pays. Et regardez, ils s'entourent de qui? Des Kabuya. Ancien Kadhafi, vendeur de pétrole dans des bidons. La conséquence, elle est là. Quand je dis ça, on me dit, tu insultes les gens. Je n'insulte pas les gens. Je suis en train de vous rappeler l'histoire des uns et des autres. J'ai eu un passé, moi. Vous pouvez aussi regarder mon passé. Et le Kabuya, dans son passé, c'était un Kadhafi. Ce sont ces gens comme ça qui arrivent au pouvoir. Kabuya ne nous trompe pas. Kabuya ne revient pas sur tes propos. Tu as traité tes frères Kasaïens de sorciers. Kabuya, tu as dit que les Kasaïens fuient le Kasaï à cause de la sorcellerie. Boyaki kosala misala na shekamini bosuka na misala. Kabuya olobaki yango. Augustin Kabuya, tu as dit ça. Ce n'est pas parce que ça soulevait un tollé. Il dit nayebi koloba. Moutoumima, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour créer un scandale. Et je vous dis, mes chers frères, ne dédouaniez pas son chef Helmut Ngeleka. Ce que Kabuya fait, ce que Kabuya dit, Kabuya a la bénédiction d'Helmut Ngeleka. La preuve, je vous en ai parlé hier. Est-ce que vous avez vu Ngeleka condamné? Est-ce que vous avez entendu Ngeleka suspendre Kabuya? Non. Ngeleka contrôle ce que Kabuya dit. Kabuya fait les sales jeux au nom de Ngeleka. Baluba Bokoyoka, Boyoki Nanuti. Bozamato Imangongi. Baluba, je répète, Bokoyoka. Oyezo comme la bino, ce n'est qu'un début. Bozui. Kabuya n'a pas à se dédire. Kabuya n'a pas à se dédire. Kabuya a insulté Baluba Bazabandoki. Et puis Kabuya, logiquement, avec juste un peu de connaissances, Okoki ko empêché Congolais te oyaza ko fan na Lubumbashi à participer à la vie politique yamboka na ye na Lubumbashi. Non. Voilà Klasini Kabuya zo tanga wana. Oh, botika bakatangi ba résoudre mon problème na bango. Oh, Kabuya. Kasaye, réveille-toi. Je suis votre frère, je vous parle en frère. Nous, notre communauté, nous les Kasaïens, nous avons la malchance, nous avons la malédiction d'être représentés à ces postes de président de la République par un médiocre. De l'histoire de ce pays, le Congo n'a jamais connu un président aussi incompétent, aussi médiocre que le Kasaïen, notre frère Moulouba Félix Tshisekedi. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Je vous ai répété ici. En 5 ans, ce type n'a rien fait chez vous et il ne fera rien. L'amiba est toujours par terre. Chute katende salamité. Kalambambouji, la route kananga kalambambouji, rien. Mboujimai kananga, la route est coupée. Mboujimai, moi ne dis tout, il n'y a pas de route. Le type n'a même pas une maison de chambre et salon chez vous au Kasaï. Quand vous avez quelqu'un qui vole l'argent, qui va construire ailleurs, il a acheté des quartiers entiers à Dubaï. Il a acheté des villas et des immeubles, excusez-moi, des appartements à Uccle en Belgique. Ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec votre pays. Il n'a rien à voir avec votre province. Kabila, insultez-le comme vous voulez. Kabila à Kingakati. Kabila à Kashamanta. Kabila a des fermes. Kabila a un intérêt pour le pays. Kabila a quelque chose qui l'attache au pays. Kabila a une maison, il peut dormir au Congo. Mais ces garçons, ce type, ces messieurs n'ont rien, même pas une maison de chambre salon chez vous. vous les Kasaï, Balouba, Botila qui est confiance. Bon Lamouka. Moulouba Lamouka. Moulouba Bengana Félix Tshisekedi. Félix a relouqué le problème. Félix a koti ko libanda et ko potana a ko avion ko pumba ko kende ko dépenser mbongo azoko yiba yo ozangi masangu epana yo yo zangi miba muluba réveille-toi botika ba sentiment buzo bawana. J'ai vu que les gens commencent à se réveiller. Regardez cette image. Il est allé, il a envoyé ce que les gens sont à Kendagi Moko, soit disant qu'on va construire barrage Yambomo pour la province du Kasaï central. Banda bacha ba posa premier pierre ba luba bango mo ba ke kotala botala makambo ba ko kuta sika de ko bango lobaki osala on suit et puis on se retrouve après Tolanda. Dimonena clôture hein uvumwela kushita mbombo uri bambo ane tomi dimu yiyenseka mais tuji kushita mbombo no bien kushita mbombo yo bia bibi kulula jibo divuba poser première pierre kachaba amuteka nyeye mwabeo première pierre vous balo ba poser chemana mkushala muisatu balo kupozanya nyeye umuteka natunene babali jenaju mujinu na bafunde shitembo première pierre nyeye umuteka mukasai central OK. Donc on va fêter l'anniversaire wa inane mu 15 août wajibu ba poser dia shitembombo. Les aventures de chez nous. Province c'est qui bien privé bien monte tout temps. Qui bien privé bien monte bien quoi c'est du faute quand il nous bien tout vu bien. Non non, ça ce n'est pas possible. Quand tu ne vas pas fiquer baba quoi bain chez bantum kana ngemuto. Bako kala muvi ya bwene ito. Jimonena et conteneur nye kushit mbombo. Munda mutu. Entreprise nous a mis les moules de conteneurs, moules de moules comme on dit. En même temps, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que c'est ça au moins la vie des Kananga. Jimonena et conteneur n'y kushit mbombo. Munda mutu. Entreprise nous a mis les moules de conteneurs. Moules n'en de munda mutu moules mouté comme on a dit. En même temps, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis ça c'est shit mbombo. Guéleka n'a pas posé des premières pierres là-bas, soit disant qu'on va construire un barrage là-bas. Guéleka est allé poser, est allé lancer les travaux de la construction des routes Kananga Kalambambouji. Guéleka a posé des premières pierres partout. Au Kasaï, il n'y a rien. Toi, Moulouba, qui me regarde, dis-moi, je veux soutenir ces frappeurs de Félix Tshisekedi. Je veux soutenir ces jouisseurs. Ces buveurs de Tembo et de Chivas de Félix Tshisekedi parce qu'il est mon frère Kasaïen. C'est ce que vous me demandez, moi. C'est ton grand frère, c'est ton oncle. Il y en a qui me disent que c'est mon oncle. J'accepte. Mais posez la question à mon oncle. Il a fait 5 ans au pouvoir, il a fait quoi chez moi? Vous me regardez en Bujimaï? Vous pouvez me dire combien de kilomètres? Est-ce que vous avez de l'eau en Bujimaï? Est-ce que vous avez de l'électricité? Vous me regardez à Kananga. Vous avez vu comment la vie est difficile à Kananga? Vous qui êtes à Chikapa au moment où je parle, vous pouvez me dire qu'est-ce que ce monsieur en 5 ans a fait chez vous? Vous qui me regardez à Lodja, à Kabinda, chez nous dans les Kasaï là-bas. Vous pouvez dire ce que ce monsieur a fait chez nous? Vous voulez m'imposer moi à le soutenir? Un incompétent, un jouisseur qui n'a aucune vision, aucune idée pour le pays? Nous devons nous dire hasta la vista, maestro, tout ça, parce que c'est notre frère. Non. Christ, on est venu lui dire que ta mère et tes frères sont dehors. Christ leur a dit, qui est ma mère et qui est mon frère? Ma mère et mon frère, c'est celui qui est assis ici et qui fait ma volonté. Le frère, c'est celui qui fait battre le cœur de son frère par ses actes. Chez nous, on dit, soba tomboli moutou, famille ne se retrouver. Ça, ce n'est pas un frère. Kasaïen, je vous dis, ce n'est pas un frère. L'heure de le désavouer est arrivée. Nous n'allons pas nous attirer la haine. Nous n'allons pas nous attirer la colère de toute la République. Nous n'allons pas incarner la colère de toutes les autres communautés. Au nom d'un fils de malédiction qui ne fait rien pour nous, les Kasaïens. Et aujourd'hui, il envoie Kabuya nous insulter. Continuez avec votre tribalisme là. Continuez avec votre tribalisme là. Vous allez vous rendre compte, ça risquera d'être trop tard. Ça va péter, ça va se compliquer. Il va prendre son avion, il va partir à Uccle ou au Qatar, là où il construit des maisons au Qatar. Yokotika lo mena maluvu akapia, lo toko kotika lo mena lo toko, na si anzete ya nani ya nani ya rompoint simu sina bujimai. Okofanda wana na kala la kata wana, okolia bikedi. Lui sera en train de prendre sa tivas et sa tembo avec tout l'argent qu'il vole. Réveillons-nous. Le plus important, c'est le pays. Accordons du crédit à ceux qui ont de l'amour pour le Congo, quelles que soient leurs origines. C'est comme ça que je vous dis. Moi, je suis à l'aise de donner même le Congo entre les mains d'un Chinois. J'assume ce que j'ai dit. Quand il y avait les débats ici, Katumbi n'est pas congolais. Eh, Katumbi n'est pas congolais. Kabila n'est pas congolais. Kabila n'est pas congolais. Kabila. On a dit tout ça. Vous pouvez aujourd'hui comparer Kabila à ce monsieur? Quand il prend le pouvoir, nous tous ici, on dit, on connaît son père, on connaît sa mère. Kabila, on a dit qu'il était rwandais. C'est que ce monsieur fait au pouvoir. Kabila, soi-disant, les Rwandais l'a fait. La manière dont ce monsieur a vendu le pays, Kabila l'a fait. Kabila n'a pas fait ça. Ne m'imposez pas parce que je suis Kasaïen. Vous, les Kasaïens qui m'appelez là, dans vos groupes du Kasaï, Tshilou, Bébélé, Bélé, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Le Congo est plus important que le Kasaï. Le Kasaï fait partie du Congo. Nous devons nous mettre nous tous ensemble, loin, nous débarrasser de ces histoires de tribalisme, des histoires de clans, des histoires de tralala. Non. Nous devons nous mettre ensemble pour pousser le Congo de l'avant. Et nous ne devons soutenir que des esprits et des personnes qui ont une idée pour le développement du Congo. Et non pas les attachements à la tribu, des choses comme ça. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Enlevez-moi de vos groupes-là. Laissez-moi tranquille. Le même Kabuya qui dit des bêtises. Aujourd'hui, ils se sont construits une majorité vraiment... Donc, épaisseur, il y a majorité Zaliao. Ils ont créé un parlement des Balouba. La plupart des députés nommés sont des Balouba. Avec pour objectif d'éterniser les pouvoirs d'un jouisseur comme Félix Tshisekedi. Ici, sur ce plateau, je vous ai alerté sur le comportement de ces Balouba ici. Comment vous pouvez expliquer que nous puissions avoir un processus électoral sérieux, contrôlé, mono-ethnique, contrôlé essentiellement par les Balouba? Contrôlé par les Balouba. Je suis Moulouba. Moi, je suis Moulouba. Moi encore, j'ai le luxe, je peux dire ce que je peux dire ici. Je vous dis toujours, la chance que j'ai, je suis Kasaïen. Personne ne peut venir me traiter de tribaliste. Je condamne les habitudes des Kasaïens. Ils sont en train de se laisser distraire par ces messieurs. Ils sont en train de se laisser distraire. Vous pouvez avoir un président de la CENI, Denis Kadima, Moulouba, pour organiser des élections qui seront protégées par un Moulouba, Peter Kazadi. Ces élections financées, protégées par un Moulouba, sont financées par un autre Moulouba, Nicolas Kazadi, ministre des Finances, Moulouba. Et au sortir de ça, un Moulouba doit confirmer les résultats, Kamuleta, Moulouba, pour proclamer un autre Moulouba président de la République, Félix Tshisekedi Moulouba. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et vous avez vu le dégât que Kamuleta a créé à la Cour constitutionnelle? Est-ce que vous avez vu les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle? Monsieur Kamuleta, Dieu va vous frapper. Faux pasteur, Kamuleta. Faux pasteur. Kamuleta, d'abord, c'est un faux juge qui a vendu son âme. Il se présente comme un pasteur, un faux pasteur, corrompu jusqu'à la moelle épinière. Des milliers de dollars ont été déposés chez Kamuleta pour que Kamuleta traficote les résultats des élections. Vous avez vu les monstruosités que Kamuleta a fait dans ses arrêts au niveau de la contestation, il y a une élection. Kamuleta était un faux pasteur, un faux juge. Il fait la honte de la magistrature. Ce n'est pas possible. Les gens ont amené des 600 000 $. Les gens ont amené des 400 000 $. Donnés à Kamuleta pour que Kamuleta change des résultats. Des résultats qui au départ étaient déjà contestés. Regardez par exemple ces frappeurs de Sami Badibanga, connus comme un grand frappeur dans les rues de Bruxelles là-bas. Badibanga. Badibanga, c'est belge qui a été nommé pendant 3 mois ici à la primature. Badibanga ici, il vous souviendra, Premier ministre, il s'est fait filmer un peu d'insulter. Général Kassongo. À l'époque, Kassongo était colonel, commandant, il y a UPHP. Unité à protection de haute personnalité. Parce que Badibanga voulait partir avec les jeeps, Kassongo a bloqué. A Beta et Bormo, il y a Maman Nayo. C'est monsieur. Il veut se faire prévaloir de ses amitiés avec ses frappeurs de Félix, parce qu'à un moment donné de l'histoire de sa vie, Félix, qui n'avait aucun diplôme, qui n'avait pas étudié, qui ne travaillait pas, c'est lui qui le dépannait. Bazuma copinage d'Abarouba, dépannage d'Abarouba, il est au sommet de l'État. Badibanga ici n'a pas atteint le seuil avec son histoire de progressiste là. Au nom de quel principe aujourd'hui, Kamuleta qui a bouffé son argent va proclamer Badibanga député national. Badibanga va remplacer à Katanda un homme qui a été correctement élu. L'honorable Olivier Sendoula Kazadi. Sendoula Kazadi est élu, les mieux élus. Badibanga donne de l'argent à Kamuleta, alors que Badibanga n'avait même pas le droit de venir à la Cour constitutionnelle, parce que son mouvement n'avait pas atteint le seuil. La CENI l'avait déjà écarté. On va voler le poste de Olivier Sendoula Kazadi pour donner à Badibanga. Badibanga va continuer avec ses manœuvres. Il va réussir à faire débarquer Aningunda dans le Haut-Katanga là-bas, pour donner le poste de Aningunda à Nazembe. C'est Congolo-Libanais ici. Nazembe. Mais au nom de quel principe Nazembe et Sami Badibanga peuvent être élus, proclamés députés, alors que le mouvement n'avait pas atteint le seuil? Aningunda a été correctement élu. J'ai vu les gens me dire, oh, Pero, il ne faut pas en parler. Aningunda, c'est la femme de Agé Matembo. Il s'est retrouvé là au nom de Agé Matembo. Vous savez ce que je pense de la CENI là. Partant de Denis Kadima jusqu'au petit monsieur. Ce sont déjà frauduleux. Vous connaissez ma position par rapport à eux. Bandana Denis Kadima. Zoro Yazara, gouverneur à Kindu, Vienanga Onani. Manara. Kita Bangonio Sotou. C'est une composition frauduleuse. Vous pensez que parce que c'est la femme d'Agé Matembo, si elle est victime d'une injustice, comme ça, au vieux, au sud de nous tous, on ne doit pas en parler parce que c'est la femme d'Agé Matembo? On me dit non, c'est Agé Matembo qui l'a nommée. Donc, Agé Matembo a nommé sa femme frauduleusement selon vous. Et justement, il faut aussi Kamuleta, qui lui est supposé agir pour la justice, il doit venir installer Nazembe aussi dans l'injustice. Alors, attendez. C'est pas parce que c'est la femme d'Agé Matembo que si il y a des actes d'injustice, je ne dois pas en parler. Nazembe ne peut pas remplacer Aningunda. Badibanga ne peut pas remplacer Olivier Kazadi. C'est Ndoula. Au nom de quel principe? Au nom de quel principe? Badibanga réputé frappeur. Batouba Fanda la Belgique, Bayebi. C'est tout ça, c'est Kamuleta. Tout ça, c'est Kamuleta. Il a fait des dégâts. Vous allez à Mwanda. Il vient de débarquer un autre pour mettre Modéron Simba. Que des dégâts, mes chers frères. Je viendrai ici, peut-être lors de la prochaine émission, vous lister. Nyosoana Mouyibi, ba PC, ba Mbongo, ba 400 000, ba 500 000. Et puis, je l'ai vu dire qu'il est pasteur Azar Obina. Pasteur Bino, hein. Bino, là, ba Moukouna, Mouto, Yandoumba, ya Moukouno. Bino, bon coaché comme ça. Bokomi sanzambe koko na bino. Master na bino. Nzamba kuma master na bino. Bosa kanalende bolingi. Kamuleta. Je parle ici de Kamuleta. Tu rends un très mauvais service à la République, Kamuleta. Le Dieu que tu prétends servir là va te frapper. Tu te tiendras un jour devant le tribunal de l'histoire pour des bêtises que tu es en train de faire. Nazembe ne peut pas devenir député national. Badibanga ne peut pas devenir député national. Les deux là, Batenia qui sont été. Au nom de quel principe? on peut aujourd'hui débarquer les gens au Ponanani, Ponanani, Ponanazembe. Je reviendrai sur ces dossiers. Vous allez voir le scandale de Kamuleta à la Cour constitutionnelle. Et il va venir vous dire ici qu'il est pasteur. Ce qu'il y a solo, il va vous dire qu'il est pasteur. Oh, pasteur, ce qu'il y a. Mes chers frères, la République a des problèmes. La République a véritablement des problèmes. Nous avons des sérieux problèmes. Je n'arrêterai jamais, alors jamais de vous les dire. Si nous aimons notre pays, notre responsabilité c'est de nous lever nous tous pour arrêter cette idiotie, cette médiocrité qui est installée au sommet de notre pays. Sinon on ne va pas s'en sortir. Laissez-moi ouvrir les dossiers de Jaynet Kabila, la sœur jumelle de Joseph Kabila. Jaynet a été convoquée à la DEMIAP, le renseignement militaire. Elle aurait été entendue au renseignement militaire. Ce soir, Jaynet est rentrée chez elle à la maison. Regardez ces photos. Ce sont les photos de Jaynet prises aujourd'hui. Là, elle est à la Fondation Musée Laurent-Désiré Kabila. Elle est à la Fondation Musée Laurent-Désiré Kabila avec ses avocats, avec certaines personnes qui l'ont accompagnée, après que les frappeurs Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aient décidé de la convoquer à la DEMIAP. Laissez-moi vous donner les détails de ce qui s'est passé. Mais bien avant, cette énième provocation de Félix Tshisekedi risque de faire mal. Puisque je parle de Balouba, Mr. Jason, est-ce que cette histoire-là appelle à Balouba à des alliés? Zouravine, la dernière vidéo, il y a Imotech Kabasubabo. Ok. Boyoka Kabasubabo. Et Zana Chiluba. Liliane Kazaramoulouba a interpellé dans la chat, il a interprété. Kabasubabo en train de lancer un appel pathétique à ses frères Balouba par rapport à Likamba Jaynet Oyo. Naye, Namakambuya Félix. Toyo Galo Kabasubabo, je vais venir, je vais tenter d'interpréter ça aussi. Et puis je vous dirai ce qui s'est passé par rapport à Jaynet. Je vous donnerai les coulisses de ça. Tolanda. Banabetuba Bena Kasaï. Nous lomba, nous le sans. Belaï Félix Tshisekedi, Belaï Félix Tshisekedi. Vite, il dit ou teba, il dit qu'il y a Joseph Kabila. Vite, il Kenen Makanda. A quoi vite, il y a Mouchinwe Outo. Ou tu conduis. Tu conduis bi. Tu dis, Michael vite, ni président Paul Kagame. Wikel n'invite ni Nang, Wikel n'invite ni M23, il y a eu combat nato. Wikel n'invite ni Moïse Katumbi, Wikel n'invite ni Fayoul. Pingueu, mon contexte, nous coabourons, nous français, dans un contexte de vulnérabilité assortie d'illégitimité intégrale, on ne enclenche pas, on ne provoque pas des adversités multifrontales. Panabetou. Tu sais qu'il dit qu'il y a une macanda kufita. Mubututo, kena jibufi comme 10% makanda mubututo, mutubaka muchimuna, bana betu mu chulu badi bamba ko etuni usanzu lukulu, banga chili ngishulu, bamba ni kabulu kunka fo kambila, gwalukai buti Tshisekedi wende ukebeye pambiji pa Kabila, Kabila wakampesha bumfumu, Kabila kenu mwako cheto, Kabila ujuye we pambelu wenza and malu and malu and mashashilangana business bendi biwe wenza. Bolkai Boudi Tshisekedi ou Keba Hambidi par Kabila, Bolkai Boudi Tshisekedi ou Keba Fondation, nous sommes Laurent-Désiré Kabila. Pas de bête, quand nous sommes Tshisekedi ou Enda, tant, du Keba, problème. Donc, où est mon fondation, où tout le monde passe là, il y a une fondation, nous sommes Laurent-Désiré Kabila. En nous, quand on a signé, on vous bat, Tita, nous sommes Laurent-Désiré Kabila. Quand on a bien, on est, et puis, on est, Muntu fungwa tungu mabanda basalai bayevu fondation mzee Laurent-Désiré Kabila bayokuanta na machine obateka titalucha cha mzee Laurent-Désiré Kabila kimbi mpeto echi tichileze bibi tuni chikondu chibi bantu abungi bakwemo exil abungi bilesa bibi be kamitato uyemo exil Franck Diongo uyemo exil mokunyanye ulubai uyemo exil mokunyanye kwa busesang uyemo exil. Moutoumne wa ben Lulua, François Bey, ouémo exil. Toutouende, Constantin Tchombo, Lokoufwa, Beya qui moufinga, Koudila, Toutouende, Toukoumujikato, Moualboubi, ce qui dit le Beya, Boalboubi, Beya, Kumputu, même bien, mou exil. Ancho Chukondwechi, tu sais qu'il y a une vitamine quoi, Boumunda, Mouagitunga, Nikabil. Tu sais qu'il y a une vitamine quoi, Nibahadi, Nibakamere. Pas de Koutouye, nous tout le monde vitaille. Et tu comptes que vous Félix, tu sais que Bamushun Kai, Mokubikila Bambongo, Babokundo, Bokundoa, ou dit avec quoi, et c'est quoi, Mabouale Bouni, il faut, comme on dit, on a, à quel point, contexte où, il y a le fédérateur, intégrateur, tu sais qu'il y a un d'ailleurs, Keba, Ambidifa, Kabila, Tintukai, Maman Marthe, Belle Moaneb, Lusanzo Lukulu, Bananti Dinishul, Kabul Kunkafo Kambila, tu sais que dit, ou comme peut-être bien, bon, fondation, il y a une élection, machine à voter, pêche, ban, tout campanda, ni ma butin de vote, ou quand il y a une femme, femme, comme fait, il y a ram, il y a chilé, il y a bien tout, bien, pyramide, vous ne pouvez pas comme on fait, femme, comme fait. Tu dis, il y a ou un d'autre, femme, il y a Kabila, tu sais, balabetou, belaï, tu sais, qu'il y a Kabul, Kabila. Vous venez de suivre là Imhotep Kabasubabo, un vieux qui est aussi en exil. Je le trouve assez... je vais trouver les mots. Il aime bien les expressions scientifiques. Hein. Ceci, des Kabasubabo, tout ça, c'est un aîné avec qui j'ai des bons rapports. Ancien gouverneur d'ailleurs de la province du Kasaï central, un écrivain... un scientifique, un homme qui aime bien réfléchir. Là, il tire la sonnette d'alarme. Il a parlé en Tshiluba, et les Baluba peuvent vous dire qu'il a été très profond. Il a utilisé ce qu'on appelle en Tshiluba les somunu, donc c'est-à-dire des proverbes. Il a utilisé, parce que dans les Tshiluba, il y a beaucoup de proverbes. Les Baluba, ils aiment bien parler avec des proverbes. Il a fait appel à des proverbes pour appeler la communauté kassaïenne. Attirer les oreilles de Félix Tshisekedi. Il a demandé à Maman Barté Kassalou de conseiller son fils. Il a dit à Félix Tshisekedi que la voie que tu es en train d'emprunter, cette voie va t'amener à ta perte. Il a rappelé à Félix Tshisekedi que Mbongo aussi aujourd'hui, les mêmes histoires qu'on a dans l'Obaka, aussi du Mbongo, aussi Lukanine. Bitumbozo Lukana Kabilo Lukan. Et il a dit qu'il y a des gens qui sont en exil, là, comme de Félix Tshisekedi. Je viens dans Kabasubabo. Autant que Bakassaye, Nabatutu, en exil, au Bossaningaï. Nakangso ennemi. Batouba Ebisson, Nakangso ennemi dans l'Obsor Sud. Dans l'Obsor Sud. Il a cité François Béat. Un sécurocrate réputé de grande envergure qui a aidé au premier jour Félix Tshisekedi, son frère Kasaïen qui est aujourd'hui en exil. Il parle de Claudel André Loubaya. Il parle de Franck Diongo qui est aussi en exil. Il parle de Denis Sanga. Il parle de lui-même. Et il dit que Bitoumao Félix Tshisekedi d'Azoluka Bimisa contre Kabila à Olongangote. Mes chers frères, je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses ici. Parce que on me fait un certain nombre de reproches en me disant, il y a des choses que tu connais, tu n'as pas le droit de les dire. Ce que je peux vous dire, je vais aller dans le même sens que mon aîné Kabasubabo. Dites aux jouisseurs Félix Tshisekedi. Dites à ces frappeurs de Félix Tshisekedi. Bitumba ozoluka okoko kayangote. Tu cherches des problèmes qu'on résoudre. Si Félix pense être fort, il n'a qu'à terminer la guerre dans l'Est de la République. Il a l'Est de la République. Il nous dit que le Rwanda est derrière. Il a Corneille Nanga. Il a les Mobondo. Appelé Kinshasa, il a des Koulouna. Incapable d'organiser la circulation routière. Aujourd'hui, sa propre garde républicaine se transforme en Koulouna. En train d'arracher des motos et d'intimider des policiers. En pleine Kinshasa. Il veut se mettre sur le dos. Il veut lancer une guerre frontale contre Kabila. Oublions qu'il n'était qu'un simple distributeur de pizza, qu'il n'a même pas un diplôme d'État. Kabila ngwata balobi azama B, Mama Denise Nyakeru, El Mutesi Nyakeru Angeleka. Opesa mobali no conseil té. Tu vas na tembo ya bolango ya ki présidence toni. Bopesa na conseil té. Mama Marthe Kassalu, opesa mwana no conseil té. Bitumbo Félix Azoluka kokosi sango. Assassiné ici à M23 pour que nous sissawe ba Kabila. Vous avez un exemple épatant en face de nous ici. Les mêmes histoires ici. Lissouba l'avait fait. Je vous rappelle. Lissouba a fait ce que Félix est en train de faire. Un militaire, Sassou Nguesso lui a donné les pouvoirs. Lissouba a cru qu'il a touché le ciel. Il a osé. Lissouba, Bakunda est à Paris. Je vous dis toujours, Bafoua Fobambila. Kabasubabo a rappelé à moi. Jaynet Kabila a été convoqué aujourd'hui. Je suis heureux. Les gens peuvent ne pas me croire. Les gens peuvent ne pas m'accepter. Mais aujourd'hui, le soir, j'ai reçu des messages. Autant à son temps, j'avais permis à Katumbi d'être candidat président de la République. Parce que mes caméras révélaient à l'heure ceux qui s'est tramé pour l'empêcher. Autant aujourd'hui, je viens d'empêcher quelque chose contre Jaynet Kabila. Hier, l'affaire était bouclée pour que Jaynet Kabila soit clouée. J'ai eu l'information, j'ai alerté. Parmi les éléments qui ont permis aujourd'hui qu'elle soit dehors, ceux qui sont sincères vous les diront. Je ne me vante pas. Je ne vous dis pas les appels que je reçois. Mais nous avons quand même aidé cette femme-là. Parce que l'injustice, quelle que soit la forme qu'elle prend, d'où elle vient, il faut être condamné. Elle doit être condamnée. Félix a un problème. Le silence de Kabila le dérange. Félix a envoyé ces gens vous dire à la télévision que Kabila est sorti par des voies frauduleuses. Eliezer a Fumoli Mbanga Yekolubango la télévision. Je vous ai dit lors de ma dernière émission, dans un pays sérieux, ayant des services de renseignement, comment est-ce que Kabila, à son rang, a-t-il pu quitter les pays sans que le renseignement, sans que le pays ne soit informé? Félix voit les dangers partout. Il a peur aujourd'hui de son ombre. Le silence de Kabila et la sortie de Kabila lui pose problème. C'est lui-même qui le dit. Il veut utiliser Jaynet Kabila comme une monnaie de pression contre son frère. Il veut utiliser Jaynet Kabila comme une monnaie de pression. Déjà, que Jaynet n'a pas de passeport. Il a donné des ordres pour que le passeport de Jaynet Kabila ne soit pas renouvelé, je vous l'ai dit ici. Aujourd'hui, il a utilisé le Belge Christian Daiwel, chef des renseignements d'un pays Congo comme le Congo, mais des nationalités belges. Il faut être Félix Tshisekedi pour faire des choses comme ça. Vous allez dire que l'armée est infiltrée, que l'armée a fait ceci. Christian Daiwel a la nationalité belge. Sur lui pèse la mort de Chéribert Okende. Sur lui pèse la mort des avocats. La DEMIAP est devenue un service à Kokanga Kabatu. Franck Diongo, tout ce monde-là, c'est toujours ce Christian Daiwel-là. Christian Daiwel. Excusez-moi. Il a utilisé Christian Daiwel pour intimider Kabila en passant par sa sœur. Jaynet Kabila est arrivée aujourd'hui aux alentours de midi à la DEMIAP. Au départ, l'objectif était de le mapper. L'objectif était de les prendre comme une monnaie de pression contre son frère. Mais c'est comme je vous ai dit dans mon tweet hier, la pression des ambassades, la pression des pays étrangers, notamment les pays de la SADC, qui entretiennent encore de très bons rapports avec Kabila. La pression, j'avais dit hier que Jaynet n'aura la vie sauve que lorsque la pression, que lorsque Félix Tshisekedi cédera à cette pression-là. Si Ngeleka ne cède pas à la pression, Jaynet est mal barrée. Parce que Félix veut une confrontation avec son frère. Félix ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Kabila. Il veut absolument pousser Kabila au bout. Mais il ne connaît pas l'homme. Kabila est le président fondateur de l'université de Kara. Mais détrompez-vous. Si vous vous fiez à son Kara, le jour où il restera de parler, vous allez voir comment ce monsieur elle arrive aujourd'hui à midi. Entre-temps, depuis la nuit, quand la convocation est arrivée, entre les pressions diplomatiques, il fallait désamorcer la bombe. Jaynet arrive là-bas, elle fait plus d'une heure, Moutako entendre et Azate. Mes caméras sont formelles. Christian Daiwel a désigné quelqu'un pour l'entendre. Celui-là aurait décliné l'offre. Celui-là aurait décliné l'offre. Au finish, Daiwel lui-même va l'entendre. Sans entrer en profondeur. En réalité, le dossier est creux, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on repose à Jaynet Kabila? On lui pose des questions du genre, oh non, qu'est-ce que ces camions-là, cet ancien camion qui a transporté le corps de Musée faisait là-bas? On a trouvé deux tenues militaires là-bas. Il y a des gardes de corps là-bas. Il y a une arme rouillée. Cette arme-là est restée là-bas. C'est parmi les armes qu'on avait utilisées dans Matanga Musée. C'était un mausolée. Oh, tu fais des réunions là-bas à la fondation. Tu peux nous dire la nature des relations. On nous dit que tu fais des relations. Regardez comment la République est ridicule. Regardez. Quelles sont les réunions que tu fais là-bas à la fondation? Et pour ça, ils l'ont fait attendre pendant 5 heures pour ces questions bêtes. En réalité, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien. L'objectif était de mettre la pression sur Kabila. Arrêtez sa grande sœur. Montrez à Kabila que nous avons des biceps. On peut te montrer. Félix a peur. Félix sait ce qui lui arrivera. Il sait que ses jours sont comptés. Il s'agite. Il s'agite. C'est un danger qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ces dangers de Félix Tshisekedi. Il faut arrêter ça. Et au finish, ils n'ont rien dit. Parce qu'ils... Attends, soyons sérieux. Même si on veut monter un coup, vous pensez que Kabila Tabaza Zoba, Bazana Bakingakati, Bazana Bakashamanta, Bazana Baferme Kundelungu. Kabila va venir mettre les armes à la fondation. La fondation là, ça c'est la troisième fois que vous venez piller là-bas. Ils ont pillé les ordinateurs. C'est la troisième fois. Donc Kabila, président de la République pendant 18 ans, il serait bête au point de venir cacher les armes à la fondation Laurent-Désiré Kabila en plein boulevard du 30 juin. En plein boulevard du 30 juin. Ou s'il a des éléments compromettants, il viendra les mettre à la fondation. Vous prenez des gens pour des imbéciles ou quoi? Mettez un peu d'intelligence dans vos bêtises. Au finish, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien à dire. Et ils ne pouvaient plus aller jusqu'au bout de leur plan parce que la pression des chancelleries, des ambassades, la pression des présidents à l'étranger. Au départ, on appelait Félix hier, il disait « Je ne suis pas informé, je vais m'informer » comme dans ses habitudes. Mais il a senti que la pression était trop importante et qu'il était dans l'obligation de libérer de Kabila. Je vous dis, c'était un coup. Félix veut provoquer Kabila. Félix veut amener Kabila au bout. Le silence de Kabila lui fait peur. Le silence de Kabila lui fait peur. C'est comme ça qu'il veut s'acharner, il veut provoquer. Continue à provoquer, messieurs. Ne te fatigue pas. Kabasubabo a dit dans l'extrait en Tshilombo que vous venez de suivre. Et l'okozo luka papa okozo ango. Et loko Félix azo luka. Matomboli azo luka. Moka ba pesa yo. O gagné l'élection, au triché. O dit qu'organiser un autre chaos électoral. O zute, o botoli isus. O yibi mbonga ba élection. O yibi ba ram. O yibi ba nyoso. O yela ki ko yiba. O yibi o yibi. Mais loko lozo yo kate. Ozo continue ko tumbola. Continuez ko limbate. Ici, je prends rendez-vous. Et l'okwazo luka. A kozoango. Boye bisaye. Boye bisaye alandarangai. Et l'okwazo luka na matumbo liwana. Okozoango. Toza kakao. Et l'okwazo luka ozoango. On ne peut pas exposer la République au ridicule à ces points. Bandego nangai. Mbokezana ba problème. Bande de problème majeur na biso. Ennemi public numéro 1, comme on a Félix Tshisekedi. Vous voyez, là il vient de réhabiliter la peine de mort, je reviendrai là-dessus, c'est pour intimider les gens. Il vient d'annuler le moratoire sur la peine de mort. Il veut maintenant officialiser les assassinats au niveau de l'État. Je vais vous dire pourquoi ils ont réhabilité ça. Mais, continuez à faire. Boutique à continuer ça, maman. Soukana ezali et l'okazo luka à Rosango. Allez, tout le monde a émission le 8 vendredi, plus d'une heure. Je vous laisse le temps d'aller prendre votre pot si vous en avez besoin. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter l'émission. Retrouvons-nous lors d'un prochain numéro. Allez, bonsoir. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. Je n'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette... parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23 parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux amis, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit, il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici, c'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a une chose? L'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Je recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonsi.